Nous sommes en 1793 dans la nouvelle Assemblée géante, la Convention. Elle compte 749 députés. Cette Assemblée est divisée en trois groupes. À droite, les Girondins, à gauche, les Montagnards et au centre, la Plaine. Le principal débat de cette Assemblée est sans conteste le jugement de Louis XVI. Le 15 janvier 1793, la mort du roi est votée publiquement par appel nominal. Il est exécuté le 21 janvier sur la place de la Révolution. Quelle réaction cet acte symbolique va-t-il engendrer en France et en Europe? Les souverains d'Europe, menés par l'Angleterre, forment la première coalition contre la France. Depuis 1792, la jeune armée révolutionnaire française a remporté des victoires importantes à Valmy et Jemappes. Elle a repoussé les frontières de la France jusqu'au Rhin. Mais cette armée est fatiguée. Face aux coalisés, les députés de la Convention décident de lever une nouvelle armée qui doit compter 300 000 hommes. Des représentants sont envoyés dans chaque village afin de surveiller les recrutements. Dans certaines régions, les villageois refusent l'enrôlement de force et des soldats patriotes sont lynchés. Après la mort du roi et le massacre des prêtres réfractaires, la conscription fait basculer définitivement plusieurs départements dans la contre-révolution. Le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, les Deux-Sèvres et la Vendée. Rapidement, les villageois se trouvent des chefs et constituent la Grande Armée catholique et royale en avril 1793. Parallèlement, à Paris, les sans-culottes ont provoqué la chute des Girondins et favorisé la domination des Montagnards à la Convention. 29 députés Girondins sont arrêtés et exécutés. Cet événement entraîne alors la révolte de plusieurs villes dominées par les Girondins, telles que Lyon, Marseille ou Bordeaux. Au même moment, les troupes coalisées enfoncent les défenses françaises au nord. Face à cette triple menace, la Convention montagnarde, dominée par Robespierre, établit la dictature. L'état de guerre est décrété et les libertés fondamentales sont supprimées. Le temps de la terreur est venu. Justice expéditive et délation sont de rigueur. La terreur frappe la France entière et cette politique de l'extrême finit par atteindre ses objectifs. La Vendée militaire est anéantie, les révoltes girondines sont écrasées et les forces coalisées sont repoussées hors des frontières. Mais la fin des menaces provoque une division entre les chefs montagnards. Robespierre élimine tout le monde et reste seul au pouvoir. Cependant, ses excès finissent par provoquer sa chute. Le 9 Thermidor, date du calendrier révolutionnaire, Robespierre est arrêté et rapidement exécuté.